Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Nemeth. Une dizaine d'anciens hauts responsables sont désormais poursuivis par la justice. Certains sont emprisonnés. Faut-il s'attendre à d'autres interpellations? Il y a une opération Dignité qui a été mise en place. Il y a eu des flagrants délits qui vont emmener à approfondir les enquêtes. Le procureur de la République nous dira ce qu'il en est. Beaucoup de personnes interpellées font partie de l'entourage de Sylvia Bongo. Qu'en est-il d'Ali Bongo? Le président de la République sortant a été élargi par le comité de transition et de restauration des institutions. Pour l'instant, aucune poursuite n'est engagée contre lui. Si dans le cours des choses, il y a des éléments qui permettent de le faire, à ce moment, on avisera. Mais pour l'instant, je pense que rien n'a été engagé contre lui. Certains Gabonais s'interrogent néanmoins, est-ce qu'on se dirige vers une possible impunité pour l'ancien président Bongo? Nous n'allons pas focaliser sur une personne, mais sur un système qui a mis le pays à sec. Il y a de l'argent qui a été retrouvé dans des maisons de manière indécente. Le fait qu'il y ait des personnes qui ont certainement caché de l'argent à l'extérieur du pays, il va falloir retrouver cet argent. Il y aura peut-être évidemment des commissions qui vont être mises en place pour aller rechercher partout où c'est nécessaire. C'est un système qui a mis le pays en coupe réglée. C'était un peu, on va dire, comme une épicerie où il se servait à volonté. Maintenant, le gérant de l'épicerie, ben, demande effectivement que des comptes soient faits. Qu'est-ce qui va être fait de toutes ces saisies? Le président de la transition a demandé que ces biens soient retournés à celui qui normalement doit être propriétaire, c'est-à-dire l'État. L'opération Dignité, elle durera le temps nécessaire. Vous savez, ce qui a été fait peut avoir des ramifications 10 ans avant ou 15 ans avant, ben nous allons remonter jusque là-bas. Certains avocats, notamment ceux de l'ancienne première dame Sylvia Bongo, accusent le pouvoir de séquestration arbitraire, voire parfois de prise d'otage. Que répondez-vous aujourd'hui? Je pense que c'est exagéré. Le 30 août, il y a eu une opération pour stopper tout le processus électoral engagé qui était totalement biaisé. À l'issue de cela, il y a eu des arrestations, mais il y a surtout eu la mise en sécurité du chef de l'État sortant et de sa famille. Il n'y a pas eu de séquestration arbitraire, il n'y a pas eu de prise d'otage, il y a simplement eu la mise en sécurité de la première dame sortante pour éviter qu'il n'y ait de graves dommages à sa personne. Notre pays reste lié par les instruments internationaux des droits de l'homme. Je tiens à cela. Vous prenez votre poste au moment où les magistrats connaissent une grève d'une durée exceptionnelle depuis le mois de décembre. Comment sortir de l'impasse aujourd'hui? Les magistrats ont levé leur mouvement de grève. Nous avons pu effectivement, à ce jour, régler pratiquement 80-85% des problèmes qui sont les leurs. Le texte sur le statut particulier des magistrats va être, je dirais, promulgué sur leurs situations administratives et pécuniaires. Donc ça aussi, c'est en voie de règlement. La rentrée judiciaire, c'est aujourd'hui, donc lundi. Nous allons effectivement pouvoir rentrer maintenant et se mettre au travail. L'une des revendications des magistrats, c'est que le chef de l'État ne soit plus président du Conseil de la magistrature pour que la justice soit plus indépendante. Est-ce que vous seriez d'accord pour une réforme là-dessus? Nous sommes en train de travailler dans une commission que je vais mettre en place dans les jours à venir, qui va travailler sur la réforme du système judiciaire pour que ces propositions de réforme soient présentées au cours des discussions nationales qui vont avoir lieu dans les mois à venir. Mais mon avis, c'est que le lien qu'il y a entre la magistrature et l'exécutif soit le moins directif possible. Au-delà même, il va falloir aussi que nous revoyions un certain nombre de comportements qui n'ont pas été dignes, qui méritent pour certains des conseils de discipline, du moins des sanctions. Il y a des faits de corruption qui sont avérés, des liens avec la politique qui ne sont pas acceptables, mais tout en respectant effectivement les droits des uns et des autres, parce qu'il n'y a aucune chasse aux sorcières. La transition doit refonder des textes très importants. Quelle est l'ampleur de la réforme nécessaire pour le corpus juridique gabonais? Alors, ce qui me semble le plus important aujourd'hui, c'est de savoir quel système politique nous voulons avoir dans notre pays. Ce système présidentiel a fait son temps. Il faut une dose de système parlementaire plus importante qui garantisse aux différentes sensibilités leur accès aux charges soit de l'État, soit des collectivités. Vivre avec un président monarque qui décide de tout et qui fait tout,
Il faut revoir cela. Les militaires prônent l'unité, mais on voit quand même un retour d'anciens responsables. Certains craignent qu'ils ne fassent dérailler la transition et que l'ancien régime empêche tout renouveau. Qu'en pensez-vous? Les vieux, comme on dit chez nous, sont les yeux du passé. Ce sont ceux-là qui vous ouvrent les yeux de l'avenir. Lorsque vous voyez les nominations qui sont faites, ça intègre en fait le Gabon de manière générale. Il ne faut pas que nous ayons un Gabon des uns contre les autres. Monsieur le ministre, merci.